Les planches de beurre, les mini-œufs congelés et le Coca-Cola santé, ce sont toutes des recettes TikTok douteuses qu'on va mettre à l'épreuve aujourd'hui. On commence avec la poitrine de poulet panée au ramen. L'individu a mis les assaisonnements de ramen, a ensuite couvert de nouilles ramen concassées et a fait frire ça. Essayons. J'ai une règle dans la vie, quand je manipule des poitrines, il faut se protéger. On commence par percer avec la fourchette. Ah! Ah, j'aime pas la sensation. Le fait de percer le poulet, j'imagine, va permettre de faire pénétrer les assaisonnements. Dans le TikTok, la personne utilise les nouilles instantanées Mi Goreng. La spécificité de ces nouilles, c'est que ça vient avec toutes sortes d'assaisonnements. On a un sachet de liquide avec de la sauce piquante, de la sauce salée et de l'huile assaisonnée avec des petits morceaux d'ail. Et on a aussi les assaisonnements secs avec de l'oignon frit et du bumbu. On verse le mélange de liquide sur la poitrine et on vient masser et incorporer le tout comme ça. Maintenant, on ajoute l'assaisonnement sec, le bumbu et les oignons frits. Et voilà, on vient couvrir le tout. Ça, c'est une mixture remplie d'MSG, de saveurs optimisées en laboratoire. C'est impossible que ça ne soit pas goûteux. Maintenant, c'est la chapelure. On utilise des nouilles séchées. On met ça dans un petit sac et il reste plus qu'à écraser le tout violemment. On prend la poitrine de poulet bien humidifiée, on dépose ça dans le ramen et on enduit le tout. C'est ça la haute gastronomie de TikTok. Ça colle pas très bien à la poitrine de poulet, c'est bien ce que je craignais. Ensuite, bien sûr, ça s'en va dans la friteuse. J'espère que la cuisson va être uniforme et que ça va pas être cru dans le milieu. Dans le TikTok, il y a aucune information sur la durée de cuisson, la température. Donc j'improvise. Regarde, il y a plus aucune ramen. Tout s'est décollé, c'est la débandade. J'imagine que c'est prêt. La poitrine de poulet est bien dorée à l'extérieur. Ça sent très bon, mais les ramen ont complètement disparu. Voyons voir le milieu. Oh non! Il s'agit d'un magnifique tataki de poulet. Ça marche pas, je peux pas manger ça, je vais devoir le recuire. Là, c'est beaucoup plus doré, ça ressemble beaucoup à la vidéo. Voyons voir. Voilà, l'intérieur est cuit, l'extérieur est bien doré et croustillant. Voyons voir si c'est bon, bon appétit! Oh, oh, oh. Oh, c'est pas mauvais. Malheureusement, on sent pas trop le goût des assaisonnements et des épices, des nouilles. Les ramen, il en reste peut-être 2-3 morceaux, mais on sent pas la texture croustillante. Ça a pas réussi à faire une vraie de vraie panure consistante. Ça manquait de quelque chose pour lier le tout, pour coller la panure. Tu veux goûter? C'est pas validé. Des fois, on fait de magnifiques découvertes grâce aux recettes TikTok. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. 4 sur 10. Voici le Healthy Coca-Cola. Selon cette personne, c'est une alternative santé au Coca-Cola qu'on peut faire avec seulement un ingrédient. 2. J'ai de très gros doutes. L'ingrédient secret de cette recette qui n'a aucun f***ing sens selon moi, c'est qu'on utilise du vinaigre de balsamique pour remplacer le goût du Coca-Cola. Où est la logique là-dedans? Il est où le sucre? On verse un peu de glace dans un verre. Ensuite, on y verse du vinaigre de balsamique. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler. C'est la même couleur. On vient rajouter de l'eau pétillante, comme dans le Coca-Cola. Eh ben, comme c'est magique, on dirait effectivement un verre de Coca-Cola. Selon la TikTokeuse, ça a vraiment un goût très similaire. Je ne vois pas comment c'est possible. Oh, ça pue le gros vinaigre. Santé! Oh, j'ai l'impression de boire une boisson gazeuse à saveur de salade. Ça me fait juste penser à de la vinaigrette. Aucun rapport avec le Coca-Cola. Oui, on sent les bulles du Coca-Cola. Oui, c'est rafraîchissant. Il y a un goût acidulé comme dans un Coca-Cola. Mais c'est pas sucré! Arc! Ça me fait saliver tellement c'est dégueulasse. Je dois avouer qu'il y a quand même un petit quelque chose qui est pas 100% désagréable à boire. Peut-être qu'en rajoutant du sucre, du sirop d'érable, un édulcorant, ça serait meilleur. Il y a un léger potentiel. Goûte-moi ça. Non merci. Je préfère largement raccourcir mon espérance de vie en buvant une boisson délicieuse que cette atrocité. 3 sur 10. Voici la fameuse mode des butterboards. Il s'agit d'un plateau de beurre à la façon d'un plateau de charcuterie présenté d'une façon alléchante à partager entre amis. On va en tester 2 différents, un avec du beurre, un avec du fromage à la crème. Regardez le beau board que j'ai, fait à la main par un artisan de 75 ans qui s'appelle Régis. On fait des petites vagues, on essaie de rendre ça artistique. Personnellement, c'est le genre de choses que je ferais juste pour moi, manger un plateau de beurre au complet. Honnêtement, c'est vraiment agréable et satisfaisant à faire, j'ai l'impression de peindre un tableau.
J'ai préparé du prosciutto frit et croustillant. On va déposer ça sur le dessus. Ça vient déjà rajouter un peu plus de texture. Ensuite, petite touche personnelle, je me sentais sophistiqué. J'ai préparé de fines tranches de radis. J'ai ajouté un peu de couleur là-dessus. Oh wow! J'ai ici du magnifique sel en flocons du fleuve Saint-Laurent. Du petit sel québécois, magnifique. Et la touche finale de la bourgeoisie, un petit filet d'huile de truffe. On rajoute encore du gras sur nos deux couches de gras. Oh! On s'attaque au bagel board. Cette fois-ci, on tartine du fromage à la crème sur le plateau. Hop là! Ça se tartine encore mieux, man. On laisse son pinceau s'exprimer le fromage. On ajoute des petits morceaux de saumon fumé sur le dessus. Ça, ça me parle, les amis. On rajoute des petites câpres. Saumon fumé, câpre, un classique. Un peu d'oignon vert. Oh wow! On vient finir avec des graines de sésame, ainsi qu'un mélange d'épices complexes récoltées par le pape. Parce que oui, le bagel board est le repas préféré du pape. C'est lui-même qui l'a inventé sur TikTok. J'ai préparé des petits morceaux de pain grillé et des morceaux de bagel grillé également. Est-ce que ça se mange bien? Est-ce que c'est bon? J'y vais comme ça. Ça fait beaucoup de beurre, j'ai l'impression. J'adore! Mmh. Oh! Au début, c'était délicieux, puis j'ai réalisé qu'il y en a beaucoup trop. Oh! Les saveurs sont présentes, c'est salé, c'est gras, c'est crémeux. Le petit radis rajoute du croustillant, le prosciutto frit également, le tout sur un pain grillé. C'est très agréable à manger. Il y a un petit côté un peu plus ludique et agréable de se servir sur un plateau comme ça. Je peux comprendre l'intérêt en recevant des amis, en partageant tous ces microbes. Ça peut être super. Bagel time! Avec ça, on n'a pas besoin de se gêner sur le fromage. Oh yeah! Regardez-moi ça! Une belle bouchée! Mmh. Very good indeed, my friend. Moi, ça, c'est du génie. Personnellement, je préfère encore plus avoir un vrai bagel bien garni. C'est plus satisfaisant à manger que de devoir toujours se refaire une bouchée. J'aime quand même plus que les autres. Un bon 7 sur 10. Wow! Regardez! Des mini-œufs! Reproduisons-les. Pour réussir à faire ces mini-œufs, il faut congeler des œufs crus. Et maintenant, on va essayer de les écaler. C'est extrêmement congelé. J'ai réussi à craquer et là... On enlève l'écaille. Ah, je sens une texture semi-congelée, semi-gluante de l'œuf en dessous. Je sais pas qui a eu... Oh, j'ai des frissons. Je sais pas qui a eu l'idée de congeler un œuf cru, mais ça me donne des frissons. C'est important de préciser de ne pas faire ça chez vous. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des intoxications alimentaires pour des raisons inconnues. Regarde cet œuf congelé, mais cru. Donc là, l'idée, c'est de faire des tranches à l'horizontale dans l'œuf pour avoir une tranche parfaite qu'on va cuire pour créer un mini-œuf. Ah, c'est pas évident à couper, mais regarde ce que ça donne. Il y a le jaune qui est complètement solide et le blanc autour. On dépose ça dans la poêle. Pour l'instant, ça semble fonctionner, malgré que ce soit très étrange. C'est prêt. Visuellement, ça a l'air très douteux. Je ne suis pas sûr que ce soit 100% sécuritaire de manger ces choses. Bon appétit. C'est vraiment très surprenant parce que ça goûte l'œuf normal. C'est un œuf. Avec une cuisson un peu trop cuite parce que je voulais être sûr de ne pas attraper de maladies graves. Si vous voulez vraiment manger de mini œufs, je vous conseille peut-être d'essayer de trouver des œufs de caille. Pas besoin de les congeler, pas besoin de faire des trucs étranges, c'est petit, c'est bon. 5 sur 10, ça me laisse comme ça. On poursuit avec le custard toast. Il s'agit d'une tranche de pain avec de la custard sur le dessus, des petits fruits. Il paraît que c'est super santé et ça m'intrigue énormément. On prend un œuf qu'on met dans un bol. On rajoute une quantité approximative de yogourt grec. L'ingrédient qui fait toujours plaisir, un peu de sirop d'érable. Et on fouette. On veut obtenir une texture assez épaisse qui va bien se tartiner. À l'aide d'une cuillère, on vient appuyer dans le centre d'une tranche de pain pour faire un petit nid où on va mettre la custard. Tant qu'à faire, je vais aussi l'essayer avec un pain de mie. Il y a moins de bulles, je pense que ça va mieux fonctionner dans mon cas. On ajoute la mixture. Ça a l'air bon, hein? Ça a l'air bon, hein? On rajoute sur le dessus des petits fruits décoratifs. Ça part au four pendant une durée indéterminée. C'est prêt! La costarde est cuite, c'est ferme au toucher, l'œuf est cuit à l'intérieur et c'est solidifié. Je dois quand même dire que c'est très beau visuellement, ça fait déjeuner champêtre. My first custard toast, oh my god! Bon appétit! Ah, oh, c'est chaud en œuf. Eh, mais hein? Je m'attendais pas à autant apprécier cette recette, c'est délicieux. La custard sur le dessus est veloutée et crémeuse, avec un bon goût de sirop d'érable et de yogourt. Et les petits fruits rajoutent une acidité et un bon côté fruité. Le pain croustillant, c'est vraiment bon, c'est santé en plus, c'est le genre de truc que je mangerais pour bien commencer la journée. Puis je suis sûr que ça peut même être incorporé dans d'autres types de recettes. Peut-être mettre ça sur des pancakes, cuire les pancakes au four. Il y a du potentiel à aller chercher avec cette recette. En même temps, dès qu'il y a du sirop d'érable,
forcément, c'est exceptionnel. Tiens, goûte. J'ai l'impression que ça devrait pas être chaud. Merci beaucoup. Dans mon livre à moi, ça mérite un 8 sur 10. Regardez cette énorme atrocité. Des tortillas, de la viande, toutes sortes de conserves, du fromage, le tout replié sur lui-même et cuit au four. Je me devais de l'essayer. Je veux faire une version réduite parce que sinon c'est complètement abusé. Et si c'est mauvais, j'ai pas envie de devoir manger autant de restants de cette chose. On vient couvrir les quatre côtés d'une tortilla qu'on va ensuite replier avec la garniture. On va mettre une demi-brique de fromage Velveeta, un fromage hautement modifié et hautement américain. On ajoute un beau morceau de viande hachée dans le milieu comme ça. Et c'est là que ça commence vraiment à me déranger parce que de cuire de la viande hachée de A à Z directement dans des tortillas, ça va faire de l'eau, ça va être gluant, ça va être horrible. On ajoute aussi un ingrédient que je n'ai jamais vu de ma vie, des refried beans ou haricots sautés Old del Paso. On va découvrir ça tous ensemble. On va juste prendre la moitié. Ah, c'est quoi ça? Ça doit être bon cuit, j'imagine. On ajoute un peu de maïs. Il n'y a pas assez de fromage transformé. On rajoute du queso, une sauce fromagère à la mexicaine, des épices à tacos Old del Paso. On rajoute la sauce rouge Old del Paso sur le dessus. Wow! Il y en a partout. On ajoute de la salsa là-dedans aussi, du fromage Tex-Mex. J'adore le fromage, mais des fois, il y a des limites à l'exagération. Et la touche finale pour incorporer le tout, de la violence. C'est froid! C'est mouillé! C'est vraiment comme dans la vidéo. Les tortillas du fond doivent être tellement humides. Est-ce que tu veux me serrer la main? Je suis vraiment enchanté de te rencontrer. Je m'appelle Jules, enchanté. Plaisir de travailler ensemble. On vient clouer le spectacle avec des chips de maïs croustillantes et frites à la main. Fermeture en cours. Ah, ça se ferme bien. Regarde ça. Oh, wow! Personne ne se douterait en regardant ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur, toutes les belles surprises qui m'attendent. Dans le TikTok, on voit jamais à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit. On ne voit jamais l'intérieur. Je sais pas ce que ça va donner. Ça s'en va au four. Ça doit être prêt, ça fait 25 minutes. Oh! Wow! C'est vraiment doré, ça semble bien cuit. Je suis un peu inquiet pour l'intérieur. Impossible de savoir tant qu'on l'a pas ouvert. Hop! Ça croustille. Ça, c'est la partie qu'on voit pas dans TikTok. Tout est coupé au montage, tout semble facile. Mais démouler cette chose, c'est une aventure. Oh my God! OK, je l'ai. Regardez-moi ça! Impossible de savoir si c'est cuit. Ça a juste l'air d'une bouillie. La lasagne du Texas est servie! On dirait quelque chose de prédigéré. J'ai tellement hâte. Bon appétit! Ah. Oh! Pour quelqu'un qui est sensible aux textures comme moi, c'est pas évident. Oh. Le goût est pas mauvais. Le problème, c'est la texture. Imaginez-vous qu'on a pris un burrito, qu'on a vidé l'intérieur, qu'on l'a mis dans le blender, qu'on l'a remis dans le burrito. C'est sensiblement ça comme expérience sensorielle. Par contre, au niveau des saveurs, c'est très bon. C'est épicé, c'est fromagé. Les petits morceaux de maïs amènent un côté croquant. Le dessus des tortillas est bien doré et craquant également, mais c'est trop mou. En fait, le problème, c'est qu'on sent trop cette chose ici, cette pâte de haricots sautés. Pourtant, j'ai mis à peu près le 1 tiers. Imaginez-vous la vraie recette où la personne met la conserve au complet. La lasagne du cowboy, 5.5 sur 10. Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre recette préférée. J'ai un compte TikTok, Gurki TikTok. Si vous aimez TikTok, allez voir mon TikTok. Je mets des TikTok à chaque seconde.